All right. Salut tout le monde. Nous là encore l'autre samedi. C'est moi-même, Randol. Nous avons Dark Fader avec Vladimir avec nous. Je dis à. Et puis, nous, avant que. Actually, le sujet, c'est JavaScript. You know, comment pour coder avec JavaScript. On rubrique Vladimir pote pour nous. Mais avant même commencer, vous présenter moi, c'est Randol Weaver de Atlanta et je travaille pour Cax Communication. Je suis un software engineer l'autre bois. J'ai envie de 5 ans comme ça. So, ma passe le bail et Doc Fader. Oh, salut tout le monde. On va Ashley ou bien Doc. Jean l'a déjà mentionné. Moi, je suis basé aux États-Unis et tout. Mais je suis basé à Miami. Je travaille pour une compagnie qui est Apollo GraphQL, qui sont une compagnie qui spécialise dans la technologie GraphQL, là, qui sont spécifications pour qu'ils ont différentes applications communiquées avec une autre. So, ma plan va suivre et ma passe le bâton à Eli, on va nous tomber sur Vlad. Ok. Et non pas moi, c'est Eli, et moi, tout moi, États-Unis, moi, New York. Et ça m'a travaillé dans IBM, que IBM connaît, qui est une compagnie qui est dans le domaine technologique pour un bon petit moment. Yep, Vladimir, on dit un petit allô avant de commencer. Absolument. Moi, c'est Vladimir Vivien, c'est un software engineer qui a vécu à Floride. Je travaille pour une compagnie qui est VMware. Et compagnie ça c'est une compagnie technologique qui gagne pour intérêt ça les centres de données avec virtualisation. So je dis à nous pas parler de JavaScript, c'est moi qui a fait li, mais avant de commencer va passer par Randol pour font parler de des sujets généraux. OK. Hey Mary, thank you Vlad. So you know back in the vle pointer avant nous même commencer parler de JavaScript ou bien continuer parler de JavaScript parce que nous gain 3 rubriques déjà sur comment pour utiliser JavaScript et comme pour mon langage pour la programmation. So you know back in the gadi d'habitude et là pour coding, you know, coding lui-même, les antigènes différents que l'on va apprendre l'autre bagaille. Ou bien, on va essayer de penser à elle. Sous PC, you know, Chita pour essayer d'apprendre l'anglais. Ou bien, on va penser à elle comme ça, comme si on garde toutes règles, on garde toutes, you know, façons et langage là, qui structure, qui, you know, tous les aspects dans le langage là, ou ça, pour ouais, comment on tape. Cap appliquer ça apprendre c'est une science des gars dit et ou pas juste apprendre quand le nous dans l'école nous juste chita nous entend des professeurs parler et puis nous prendre you know prendre 2-3 notes et puis après ça you know ou venir connaître sujet mais faut programming faut pratiquer faut créer 2-3 objectifs faut créer leur un sujet qui présenté ou obligé et essayer pratiquer font petit projet et garder OK comment moi m'entendez yo parler de if statement yo m'entendez y a parler de variable you know ça je ne bah ça y est so faut aller faut prendre petit temps ou mettre et on structure dans comment on va l'étudier et puis ou pratiquer you know ça parler ça apprendre ça commencer découvrir elles sont là bah tout dans programming là ou bien dans computer science lui-même li faut créer curieux pour toujours essayer de découvrir des bagages parce que science est tellement vaste c'est pas ou gab juste chita en seul coin pour apprendre tout bagage c'est au fur et à mesure ou gon problème ou besoin fixé ou gen wa dire OK m'pa jam utiliser et 2-3 fonctions qui gen rapport avec et graphique et puis you know kounyan ou besoin implémenter un bail qui cap li on image
et puis pour le capable dire qui ça dans image Jean de Baye ça c'est obligé focus ce domaine là et puis ou appliquer tout bas qui gain rapport avec avec ça l'autre bas que me t'ai dit moi-même le m'a pas essayé à apprendre un nouveau langage gain de travail que gain de pas toujours aller là-dedans premier aspect c'est syntaxe qui syntaxe langage là you know comment bah structuré you know comment et déjà dit gain de travail qui vraiment commun dans tout langage go ou fin apprendre javascript plan là et vous voulez apprendre rust ou voulez apprendre go vous voulez apprendre et dart n'importe quel autre langage ou besoin même bah commun ça yo déjà je lui montrer et comme nan bien vite pour me montrer par exemple de qui ça m'a parlé gain Jean de Baye ça et non langage ça actually son langage que me fait capter à apprendre qui relé Ross so by comme m'a parlé c'est voyable c'est data type c'est fonction c'est control flow et puis là parler de control flow c'est login you know if statement ou gain while loop Jean de Baye ça by que et bagaille que Vladimir mentionnait déjà avec deux trois dans rubrique avant yo so by ça toujours commun ou toujours ou rap toujours joindre dans toute l'autre dans tout l'autre langage. So debout fin apprendre on fa dans premier langage qui javascript que n'a parlé de l'jodia et puis au grand l'autre langage c'est so, option même bagaille ça. So l'essentiel c'est essayer comprendre ça yoyé et puis prendre note, créer une sorte de structure et pour connaître you know l'op comme tu as dit et pas progression non, je pas juste pour progression seulement. Bon, d'essayer créer une liste pour faire revue quand Vladimir parlait de forme dans JavaScript comment pour input et comment pour ajouter données et puis pour passer et à page là de JavaScript plan avec HTML là Jean de Baye ça so faire revue et pour essayer de comprendre toute manche à suivre là on dit OK li mettez variable ça là pour qui ça pour ça variable ça là pour ça pas mettre en bas ou gagne essayer ou même ou mettre de l'autre côté parce que gain scope que monsieur était mentionné dans l'épisode précédent yo ou cap essayer ou cap toujours essayer Jean de Baye ça so m'barone et si Dart Eli gain de toi ba il était qu'a ajouter dans expérience pa nous là nous fait commencer à apprendre et qui et méthode que tu utiliser Jean de Baye ça. OK, so nous avons fait programmation, on a rencontré extrêmement difficile pour entrer dans sans qu'on pas venir joindre en plus confusion. Un paquet de termes, un paquet de différents outils bagasse pour faire sens à tout ça qui est disponible que j'ai accès dans internet là. Ça sont grandes tâches premièrement là pour entrer dans le domaine là. So, c'est ça côté aujourd'hui un mentor ou bien une communauté qui a aidé ou supporté en ça vraiment aidé ou so si pas une communauté cherchez une nous gagnons dans petit charité nous pour monter sur ce plan et nous toujours nous cap supporter une lot cap bay conseil cap aider avec l'autre problème que le monde ca gagne à n'importe quel niveau yo dans chemin apprentissage yo. Mais il nous paraît que moi ta conseil qui est extrêmement efficace bien encourageant là à apprendre tech c'est pas chercher à apprendre c'est chercher créer un outil et ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre ou va poser question qui ça est-ce que j'ai besoin de faire pour faire des outils dans le marché comme ça ou les faire créer un site nous pas un problème qui ça est-ce qu'on va servir pour faire si non pas j'en voulais le faire là ou voulez créer une application pas un problème qui ça au cas servi et qui j'en mettre ensemble pour faire ça au refaire à n'importe qui étape même dans niveau professionnel
c'est toujours pour cette question ça. Qui ça est-ce qu'on a fait qui informe nous ce qui ça nous parle à apprendre, faire recherche sous bien servi pour nous créer ça n'a créé. So, et c'est quand même ça dans la tête nous. Parce que l'ouè, on pile terme, on a voué là où, juste, on est recalibré, poser toutes les questions, hein, et puis entrer dans la communauté et puis demander aide. Par exemple, demander aide. Et c'est pour ça, c'est ça ce que je veux dire, so, on va passer vers toi. Hein. Ça me décage, si je m'a parlé de elle, moi-même, tu as commencé, c'est que y a une bagarre que tu as fait, c'est que. Et c'est pas comme si dès qu'on pratique dans le sens faire projet, mais c'est comme si l'objectif son gros projet. Un exemple très simple, je pense que j'ai une cousine qui a fait un exercice mathématique et puis tout le temps, bon, regardez. Et puis tout le temps, ça me pense, ah, je vais perdre du temps pour m'appeler, calculer plus. Je dis, ah, bon, pour un petit programme là, quand il m'a seulement juste entré et puis tout le résultat. Donc, je pas son titre, je ne pas si je me fais un programme et je centre mes résultats. Si je ne sais pas si je vais faire pour apprendre plus. Et l'autre bagage, tout ce qui est opportunité, ce qui est possibilité pour lui, c'est une bagage qui t'aide à comprendre plus le concept. Dans le domaine, c'est les WAP, on a une leçon, mais on a fait dans l'autre monde. Dans ce qu'on est, on a fait dans l'autre monde. Là-dedans, parce que dans ce sens, ça livre une force pour qu'on ait un niveau. Qui simple côté l'autre monde lui-même qui a compris ça et de tout pour chercher qu'on est plus chercher à apprendre plus bien pour comprendre plus bien. Yeah, non, c'est un bel exemple. Parce que moi-même, tout au début, c'est même pas un petit programme petit, c'est un petit programme et bien simple qui doit exécuter une seule fonction, de garder les une seule fonction et puis. Les bons résultats, et bien, comme ça, au fur et à mesure qu'on a ajouté sur lui. Même j'ai avec Doc Fidel, ce qui là tout à l'heure, c'est programme, c'est comme si son puzzle lié, et à chaque fois, on met une petite pièce, et puis jusqu'à ce qu'on ait un gros programme. Donc, on n'a pas besoin de juste penser, OK, je vais commencer là, je vais faire un gros et website, e-commerce, qui va le connecter, il va faire transfert ou bien shipping product. So, we say fait tout ba yo au fur et à mesure. Comprenez, OK. Pour qui ça, vous m'utilisez en fonction? Pour qui ça, et besoin, bagage, je sais que code là pour l'exécuter toutes les instructions une après l'autre, et puis le programme est fini. Ou bien, comment c'est, demander pour qui ça à chaque étape, et puis, il y a un partenaire qui m'a parlé avec le TIC Haiti et l'autre jour, dans la communauté. Et monsieur te dit you know like que lui-même li fait li remet li et comme c'est le pont cahier et puis li mette deux trois ressources, OK, qui côté qui ressources de référence que gagne, you know, s'il besoin check combat dans langage, OK, il connaît pour la telle page toute page ça li gagne mot clé mot réservé et puis monsieur gen photo non kounya a part de mon réservé li gon l'autre page qui, you know, chaque page je balle on sorte de shortcut pour aller directement dans ressources que le besoin et puis en même temps tout et les dire OK ou gen avon ou bien on prend et quand Jean Vlad a fait épisode ça, ou bien on va garder premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode et pour que Jean m'écran ken code, moi ça faire juste pour un break. On va continuer. On va juste continuer et à suivre programme ou bien à suivre et comme déjà dit structure ça va apprendre pour langue et sous langage on va apprendre là. Au fur et à mesure, vous retournez, on dit OK, m'te apprenne if, pour qui ça? M'te apprenne loop, pour qui ça? M'te besoin fonction, pour qui ça? J'en ai pas ça. Et pour essayer de mélanger, essayer de connecter, essayer de faire, you know, et deux, trois bagailles.
pour ka fonctionner. So m'a konnen si Vlad de si Vlad besoin plus temps ou bien s'il s'il pour comparer parce qu'il va sur écran là. Vladimir, comment va yo? Non, nous allons commencer. OK. D'accord. Yeah, c'est une fini faire introduction, nous allons continuer et commencer. Merci. Ou gen un brochure screen ou pas ça? Bon, écran la monte. OK, t'as l'air. Bon, une seconde. Alrighty. Okay, unshare it. Okay, so nous supposons where. Ah, okay, moi le monter là. Ajouter. Oh, l'anti Jean Piti. What are you saying? Because I have no feedback. Where side loud? Yeah. Can you see the entire screen? Okay. Yeah. The one with it's the slide, with the slides. The yeah. Is it good now? Mm-hmm. Yeah. Okay. So Jodia, na continue avec sujet de faire même plusieurs mois à parler. So c'est un sujet que lentement na rentré en dans JavaScript. Comme un langage pour introduire nous à programmer. La raison pour laquelle nous choisissons JavaScript, parce que nous n'avons pas quelques langages que nous avons choisi, c'est parce que JavaScript, c'est un langage qui peut accéder presque tout côté. Oui. C'est-à-dire sous son desktop ou bien sous c'est un smartphone, nous, JavaScript là à la portée de la main parce que nous là. Il a tout un device ça. Ma petit background noise tout petit. Ma own pièce. So avec so c'est ça nous n'a fait depuis bon plusieurs mois de ça. So kounya nous dans épisode 4. So on fonti repasser pour nous qui bonne sorti et jodi à tout qui bonne braler. So, dans des épisodes passés, nous t'ai parlé tout petit, nous pas parler en pile, mais nous t'ai fait des introductions à fonction, que j'en pour placer fonction, et que j'en mécanisme pour déclencher une fonction, que j'en pour faire ça dans fichier HTML. Après ça, dans dernier épisode là, qui s'en est fait, nous t'ai parlé de qui j'en pour afficher texte. Dynamiquement dit sous une page HTML, c'est-à-dire nous connaît texte, c'est un bail, bon, on ne doit pas connaître tout, mais en forme HTML, il est composé de texte statique, mais gonjantou, on doit afficher texte dynamiquement par des actions que l'utilisateur a fait sous page là, c'est-à-dire si on pèse un bouton, on doit voler, on va fait et c'est ça, c'est le sujet ça on t'a parlé dernièrement et puis nous t'ai font exemple de forme et puis nous t'ai montré qui gens comme si Nadio sous peser des boutons sous page là et pas ton forme sous page là mais qui ça chaque bouton fait dynamiquement, c'est-à-dire l'on peut dire allô page là réagit et li montre un bail quelconque. So, c'est-à-dire, ça nous découvre assez qui j'en pour dynamiquement, on doit manipuler code là pour montrer des contenus qui pas là, mais que l'on peut des boutons que page là montre. So, aujourd'hui, nous allons parler de un sujet qui est important tout l'application avec HTML, c'est qui j'en pour so dernièrement noter gardé qui j'en pour afficher données que des données dynamiquement. Je dis on va regarder qui j'en pour attraper données, c'est-à-dire qui j'en si on vini sur une page qui gon forme quelconque qu'on y a là avec forme non ou bail mon opportunité pour
utilisateur opportunité pour mettre des données et ou même qui gens qui capter données ça pour faire ça pour faire avec. So avant ça ça ne va le faire, nous va regarder des éléments qui disponibles pour vous pour créer forme pour créer forme lorsque vous créez une page HTML. So une premier tag ou bien on étiquette HTML que nous allons discuter, c'est ça le input là c'est un élément ou même qui est disponible pour créer des composants sur page là pour qu'à attraper un contenu ça ou bien des données que pour au monde kabao. So une type de composant qui est disponible c'est ça les input tag et puis il y a plusieurs tout. So ça n'a pas gardé assez ça les input tag where comme si ou by input tag là un nom ou identité et puis ou aussi ou spécifier qui type input tag là va jouer sous page là. So ici nous voyons que exemple que qu'on a regardé là où nous dit input tag là c'est texte. C'est-à-dire input tag ça la permet nous rattraper texte données de type texte que utilisateur a rentré. Et puis tout dans page ça on a pour gain plusieurs autres types de plusieurs autres types de input que nous ca spécifier sur une page HTML. Gen ça les passwords là, c'est ça, c'est les nous voulons capter on donné secret que nous pas voulons au monde nécessairement nous voulons que ces utilisateurs seulement connaît donné ça, so on doit spécifier que nous voulons input là comme type password. Après ça gen ça les type number ou bien chiffre. So l'on spécifie que input tag là c'est un type de chiffre lié c'est ça seulement utilisateur a ka entrer dans text box là dans côté là mettez données à c'est là ka entrer seulement un numéro ou un chiffre. Si laisser entrer texte ou bien l'autre caractère qui pas numéro gen ka setup code wa pour rattraper pour faire des validations pour valider que ça mon app entré c'est ça vle. C'est-à-dire sous si c'est un chiffre ou attend c'est ça que mon a seulement ka entrer. Gen ça le checkbox avec radio button. So deux types ça yo le plus souvent ou à utiliser pour capter un choix. C'est-à-dire le plus souvent ouais l'on prend plus en forme sur net sur page HTML ou on va utiliser type checkbox là pour capter un ou plus de choix. C'est-à-dire on doit avoir un choix A, choix B, choix C et puis checkbox là permet tout pour utilisateur qui a fait plusieurs sélections dans gamme de sélection qu'on bail utilisateur. Radio ali même c'est checkbox radio box radio button c'est ça que radio a et ça le permet tout faire c'est login plusieurs choix ou qu'a choisi un seul de choix. So, c'est le plus souvent c'est pour c'est pour scénario ça ou utiliser ou on va utiliser ça relé input type de radio. Kounya tout gen ça relé date time gen ki ou on doit choisir gen date gen time gen month presque tout composant qui fait en date ou on doit sélection ou on doit spécifier ça comme type pour input et browser automatiquement a montré utilisateur la ba utilisateur en gens
spécifiquement pour rentrer type de données ça comme date. So si vous dites c'est date, donc vous avez sur écran c'est date time. So dit by utilisateur on gens pour entrer on date avec on le. Ou bien doit dire c'est date seulement vle. So browser a montré on boîte qui gagne juste un choix pour date. So you know ben pas montré là c'est ti icon calendrier a ou pas nécessairement à taper données a ou doit leur peser li ou soit habitué rempli forme sur net là ou leur icon ça ou leur peser li le plus souvent li bon li ba ou en calendrier ou bien on jan quelconque pour sélectionner date là. So gon paquet lot type de input que m'va couvrir jodi a et sou faire recherche ou bien soit juste faire recherche sur net là input type pour HTML form m'va joindre tout mais ça yo me pensais que était très important pour nous connaître parce que le plus souvent moun les apprentrer données c'est données de texte le plus souvent à rentrer. So, c'est ça fait de choisir ça mais charger un paquet l'autre type de gens ou cas rattraper données que un utilisateur qui a passé à un page HTML. So m'a font tirer ralenti tout petit pour moi si gain question bien si gain commentaire de l'autre monsieur après ça on a continué. Yeah, nous va gagner de toi, nous va gagner trop commenter dans live là, plus mon cap dit allô, nous saluer back. Jean Dian et dans user interface là, là mon y a entré détail, gagne un paquet d'options que on va utiliser pour collecter information de user. C'est un nombre qui rend vie mon you know c'est tout programme plus facile c'est aussi parce que you know de toi few years back c'est une command line sur mon obligé que tout bagaille on va nous écrire un bagaille puis l'autre taper sur les next thing là le bon petit texte pour juste taper l'autre bagaille but à cause de user interface of une comme ça c'est aussi ou gain radio button ou gain check box ou gen tout bagay sa ou ka fè plus validation ou ka mande user sa ou vle a exactement. Oui, après mwen fon tiri tout parce que mwen sonje avan des années ça lèm d'ap travay nan front end ap kreye page HTML etc. Comme développeur te gen pile nan type de mode d'emploi, c'est où t'es comme si on a du responsabilité à c'était ou même qui peut right. Te faire. Yeah. Boîte pour entrer date avec le A. Nous on j'ai clairement comme si on a du c'est son bail comme si c'est ou même comme un JavaScript développeur qui peut faire en boîte pour en boîte comme ça. Ça veut dire custom input. Yeah. C'est ou créer ou même kounya là so avec HTML5 qui poussé et qui très très avancé mon paquet dans ça veut dire composants user interface yo déjà là dans langage là yo déjà disponible c'est en ou même ou spécifique sauf les IV. Mais avant ça on input composant comme ça c'est pour te faire oui scratch donc ça arrive même 5 ans de ça là et le Dart fait comment ça paraît qu'une là me choisi pour me programmer sur Dart et pour travailler là et puis qu'une là boss là m'a dit ok besoin tel bagage et puis même parce que Dart pour que gagne tout ton collection de UI en librairie pour UI c'est aussi moi-même qui t'avais c'est composer tel bagage avec l'autre bagage donc comme des besoins font table et côté au cap sélectionner deux différentes sections
non non page là même ou non même page là bon on clique tab là pour le cas bon pour le cas montrer que ok ou changer tab c'est so, obligé font page qui avec un div on dit div et puis pendant qu'il y a contenu là dedans là il y a deux trois box mettre en l'air avec span et tag span là quand on clique tab span là je juste changer à rebord et puis pour le coup paraître comme si c'est des balles imposées qu'on y a là moins effacer tout ça dans contenu ouais on va effacer mais juste mettre dans l'autre voyable qu'on y a me dit le highly et puis mettre l'autre contenu ouais qui pour adot et puis c'est au point on fait tout bagage ça et puis pour le au bon mon semaine pour me finir on va que demander li pour un paquet de temps donc là et tout langage que vous JavaScript avec Dart 5 ans après Dart gain material design et mon capitaine a fait recherche sur Google pour sa material design là et puis son autre de librairie en collection qui bon tout les user interface bar que tu as besoin pour interagir avec user et puis on a juste choisi on met elle dans page là et puis you're good to go right oui so c'est si aperçu ça me veut montrer que bon paquet bar qui là so nous pas plus jamais une chance pour couvrir tout mais au fur et à mesure comme n'a pas avancé dans rubrique ça so l'autre mois sûrement nous ca continuer si n'a rien pas fini ni mais so là que au fin créer en forme qui ça va faire avec données hein? So il y a deux gens ou ca collectionner données que ou collectionner ou prend sur une page HTML so you know gens c'est ou gain doit utiliser JavaScript directement pour collectionner données et puis pour faire solve là et solve là gain doit n'importe solve là c'est-à-dire gain doit prendre données ça ou afficher li ou faire des processus avec etc etc ben données ça pas jamais quitter browser il était là et l'on fin avec li bon ou fini mais bon l'autre bar au café tout et ça plus commun hein? Cac plus commun c'est que données ça on doit prendre et puis ouvrir le bar l'autre ça veut les back end ou bien serveur computer serveur ouvrir données ça qu'on y a pour donner ça qu'à passer nos processus qui pourra le faire ça ou même au besoin faire avec là. Et le plus souvent, comme on dit, c'est cas qui est plus commun. Hein? C'est comme ça, tout le HTML a commencé, le web a fait commencer, pas de gain JavaScript. So, seule option de gain pour te faire aucun processus pour manœuvrer données hein, c'était pour prendre données ça voyer le ba l'autre en computer qui pour y apprendre pour faire ba avec mais le fait que comme n'a dit JavaScript très très avancé so nous gain option ça jodi a où on doit prendre data nous font ba avec directement dans browser sans pas voyer données à dehors avec on pour voir le bain l'autre computer pour faire l'autre bain avec mais nous devons quand même donner nous faire nous procéder localement nous travailler avec localement ou comme on dit va répéter nous devons prendre donner ça nous voir le bain l'autre computer qui gon l'autre programme le plus souvent programme ça c'est les noir JavaScript encore si on fait node programme ça il doit écrire en Python il doit c'est Java, l'ingé doit c'est Go ou bien you know on l'a trié de choix que qui comme si on a du des langages des processus qui cap marché captain l'ovo et donner ça pour fond bas avec et ces dernièrement nous vinn ouais tout que
nous pas même besoin aller trop loin, nous gen service tant que ça les serverless, ça on va parler de serverless jeudi, nous gon l'autre session nous va le faire sur ça. Mais serverless là les mêmes c'est des codes qu'on utilise, qu'on écrit, et puis c'est ça seulement écrit, et puis ou by centre de données hein, ou by code ou écrit hein, et puis c'est ça seulement fait qu'on y a là l'offin configurer serverless fonction hein, et puis il fait il qu'on y a lui-même il doit l'envoyer en requête bah il fait ça pour le faire et puis il retourne une réponse là. Mais avant ça, avant serverless, tu as un paquet de choses pour te faire. Si c'est Java à faire, il faut écrire code en Java, il faut un serveur, il faut un site, il faut un autre boss. Même là pour Python, même là pour l'autre type de langage. Yo. Mais de jour en jour, option ça, il y a une plus facile. Comme si on a dit, gens pour créer type de algorithme ou voulez appliquer sous données. Et pour déployer application ça de jour en jour la vienne plus facile serverless là qu'on y a c'est une gen qui plus facile pour déployer. So comme on dit ne pas parler tellement de serverless jodi a, mais c'est de vle mentionner que c'est une bagaille qui disponible. So on y a pour clôturer on garde on forme ça qui gens nous t'ai construit et puis qui ça en faire avec. So kunya, let me switch. All right, monsieur Noël. Puis Jimix, yeah, go ahead. No, so go ahead. Ah, ok. Yeah, puis Jimix Montella, Sterling, bienvenue. Bon, monsieur, bon bagay, moi là, moi Vladimir qui a frappé mon yo là, so good job, man. Et salut. Okay, so you still talking to me? No more. No. Okay. Yeah. All right. So form sa. All right, form sa can upgrade ya. C'est mes codes qui pour les. Est-ce que nous avons un code là? Noël? Yeah. Ok. So nous allons garder en forme très simple. Let's see. So you know by ma fait mention à elle, c'est que forme ça li l'utiliser, where is it? It's still, comme si le fait que l'on style sheet, l'on style que l'appliquer, et still ça, c'est son boot, c'est dans bootstrap l'absorti, so c'est ça qui fait where text box, yo, comme si yo tout, yo on dit, nan point yo, etc. Et puis, avec bouton à tout le bon style qui sorti dans bootstrap et so nous pas c'est pour bien qui nécessaire so moi même juste appliquer pour faire forme dans on belle petite figure mais c'est pas bien nécessairement ou doit faire l'a construire en forme so que forme dans là le commencer so j'en t'a dit à l'heure nous utiliser div. Div la li même c'est li bon on jan pour organiser contenu pour qui jan pour placer yo etc. So c'est so nous pas parler de HTML même devle mentionner c'est ça qui sous c'est ça n'a pas utilisé là. OK so mais form nan commencer là et comme pour exemple ça moi pas vous pas pral voyer donné que m'a bral rattraper dans forme nan m'pa voye le ba en server comme on t'ai dit tout à l'heure donné ça m'a prendre m'a utiliser localement avec javascript qui sous page là mais si m'te gen besoin
pour me voir donner ça ben en forme ben en web service ou bien ben en serverless function ou bien ben en programme quelconque dans même en forme nan, on t'a dit que l'été comme si nous disons c'est nous t'avons dit on va avoir ça méthode post et puis nous t'avons by SRC, I forgot. URL? Was it? URL? Key? I don't remember. Yeah, I'm doing too. Anyway, so see, say it again. Number the negri occupied to this by some code too. Better action. Action me, Yama. Action. Action, right. That's right. Yes, action. So, si m'dap voye donner nan form sa bay on service kap kouri yon ki sou on lot machine sou network la, m'dap oblige bay sa spesifi action, et puis action m'dap meton URL pou lè ke mwen pese bouton nan form nan pou sa koz ke tout data nan form nan yo tap pral pase voye bay prosesus sa. Men pou ekzanp sa nap fè jodi a, se jist nap kenbe tout donè yo lokal, so nou pa bezwen tout bay sa yo. So nou pral itilize JavaScript pou kapte donè yo. So nou wè nou gen nou sa yo le yon label, bon se exactement sa le di a, se son etiket ou mette sou pou spesifiye on prompt. Apre sa nou wè main input la, nda pale de li talè a, se tag input la. So nou pat mansyone ni, men gen yon tip ki re le email. So nou te pale de plusieurs tip, yon te te password, text, number, etc. So gen yon nan tip yo ki email, e tip email sa se exactement so panse li a se sa liye. Li permet ou entre the email address. So la pe do fe verifikasyon pou. Nou gen non ou, bon, sa son tip de text, son input de tip de text. E pi nou gen here, nou gen on tip de number paske se l'associe avèk l'ajou. So tout l'aj se son chif pou liye. So spesifiye isi se number. E pi on lot text nou spesifiye la. E pi dernyèman nou gen sa rele bouton. E bouton se li ke utilizate apral utilize pou l'klike sou li pou l'deklanche ou etap kom si mnadjou pou fon bagay. E nan sa nap fe la, nan ekzamp sa nap bagay nap fe ase, nap pral deklanche e evoke yon fonksyon ki rele voye mesaj e fonksyon sa, son ti fonksyon bien piti, di pa, bon, bat geta fon pila avek li, men se sa nou e la. So, men form nan. So, mwen si. Nou wè ke la, so nou sonje ke nete di form sa, premier text box la, se yon email ke liye. So, lèm peze voye mesaj la, li otomatikman li fè validasyon, li valide ke ke text box la li pa korek, paske si nou di se email, le plus souvent yon email se something like this. Fè form nan tijan pi go. Hein? Fè form nan tijan pi go. Your screen is so wide. Okay. Yeah. Oh, that's good. That's good. Yeah. Okay. Yeah. So so if we remember, la tout le monde, check l'âge là, mais il suppose faire
So ouais, dans l'âge là, m'a pesé lettre, il pas prend rien. Et si me pesé un numéro, il prend. So li automatiquement li mette des ça le safeguard pour comme si pour faire des valider pour valider data directement. So kun ya la yon nan ba nou pral gade se ki sa n ka fa data so si n paret la. Le ke mwen pese bouton voye me le mwen pese bouton pral déclencher voye message et puis voye message c'est fonction ça so fonction ça pral déclencher et puis kun ya m ka fè des m ka manœuvrer data faire ça me lavel so pour me faire on bail avec data faut me dire qui ça me voulait accéder qui data me voulait accéder qui élément dans data dans forme dans me voulait accéder et puis prend contenu élément ça so c'est ça m'a fait là pour que pour m'accéder contenu boîte texte email là so c'est you nan jam ka fè li so document get element by et puis form nou te wè ça dernièrement dans dernier épisode nou te parlé de ki jan pour traverser ça les dom nan pour accéder des éléments qui sou web page wa so c'est même principe là so n'a pe utiliser ça les dom document object model pour choisir un élément. So premier élément n'a choisi c'est my form nan c'est commencement form nan nou te déclaré ici là. Kounya la kou nou fin join my form nou di nou pral nou vle accéder élément qui nan form nan. So nou di élément c'est ça nou spécifie là. Kou ni a nan élément yo, nou vle chercher un élément very spécifique qui gen un nom email et c'est élément ça là. C'est élément ça. I'm sorry. C'est élément ça. C'est ID que nous spécifier et pas c'est pas type là. Après ça, kou nou fin joine élément ça, kou ni a nou di que deux éléments ça nous voulons prendre valeur et valeur c'est texte que un utilisateur a été entré dans boîte là c'est texte que nous c'est avec nous intéressé. So Jean ça tout code ou là c'est ça nous gagne c'est Jean gagne pour nous accéder data et puis qu'on y a nous doit pran donné ça nous fait de ba avec. So ça me fait nan ti exemple tout petit mien là, c'est juste moins bon moi ça le fait. So si mettez son déjà un email là bon moi ça le va le faire. OK. Ouais ça le fait là, c'est ou capable ça va c'est baka augmenter taille ça but so ça juste fait c'est lui montrer valeur qui nan text box email la. So kounya sa n dey nou a fè très vite là nou pral changer code là en ti jan pour nou wè que c'est pas menti c'est tout ba c'est live yo so mwal changer mwal fon on ba là OK so kounya m déclarer on variable qui est actually should be frm pour form et puis me dit variable ça c'est élément form nan que lié kounya m'en doit faire form élément on l'autre bain nous va le faire là moi si la marché au gain dernier parenthèse là après valeur yeah thank you Email text.
Ouais, c'est ça, ma chère. So, on va utiliser le même principe que nous avons couvert dans le dernier épisode là, Jean pour afficher données directement sur une page HTML. So, le fait que je ne vais pas spécial moi le faire avec données, hein, so, je vais juste afficher les. Mais si nous avons quelconque chose à faire, nous devons faire l'autre bas avec lui. Tant que si nous avons calculé, ou bien si nous avons des transformations que nous devons faire sous sou données. Hein. Ou bien comme on te dit tout, si que nous avons l'autre bagaille, nous voulons faire avec, t'as couvert l'autre serveur et puis serveur a dit même l'autre fonctionnalité qu'il doit appliquer sous données. Mais pour qu'on y ait son bagaille bien facile, n'a pas fait. Moi aussi ça me fait assez la marcher. So let's refresh. OK. Merci. Non, see it, so il n'est pas marché. OK. So, je vais debug live. Je vais checker pour moi. Mais l'idée, c'est prendre valeur qui est dans l'email box là et puis display afficher sous l'autre afficher sous l'autre élément HTML sous page là directement. Mais, so, toutes ces mêmes idées à noter tout à l'heure, c'est qu'on y a là, nous avons gens pour nous capter. Information, qu'on y a le fait que ou fin capter information, qu'on y a gagné bah au café avec information, hein. C'est ça me devait démontrer. So ma fon camper là et puis si gagne question na parler de. Yeah, baron CPG mix, comme monsieur, monsieur toujours fait JavaScript en pile. Est-ce qu'on va après Inno HTML, on va changer si c'est dat texte égal pour tailler ou bien li, Do bien nous avons l'autre variable, on a des objets pour le cap paraître. Ou bien on va Allô? changer. Et tu Bien, m'entends? nous attendons. M'entends les gougnats? Yeah, yeah. Oh, sorry, m'entends Oui. pas les des sous-mieux. Alright, c'est bon, bon aller sous code là. Yeah. Nous faut t'y monter là, qui monte fonction ça, exécuter là, exécuter dans le clic là. Yes, right here. Ok, Donc, d'accord. fonction marché, laissez. S'ils sont alertes, les montrer là. Ok, bah voilà. Je me bats quoi que Yeah. le submit fresh. Faut nous prevent event default. Nan, par exemple, si vous paraît dans un paramètre link ensuite dans vos messages, ou mettons un paramètre au carré event dans parenthèses, dans line link ensuite. Oh, you're talking about here? Oh. Event. Oh, okay. Parce que leur summit les refresh, ils vont summit les son serveur. Oh, I see what you're saying. Oh, okay. So, il y a ces événements qui a bien valeur à la donne. Yeah. So we need to prevent not Donc, prevent. il se lit correctement. So not prevent default behavior. Oh, okay. Yeah, so I see we'll why. put the E. Je pense que valeur pas là déjà, le fait query by item, non? Et ça l'est? Non. Par exemple, son form lié, bouton à trouver dans la forme, l'écho submit form, non, Oh, il yeah. Ah, Let's do this. Let's do this. Let's remove it from the form. Moi, ça dit. Yeah. What if I do this? Yeah. Oh, Now that would be better. So now OK. when you do that, l'offre fait son back work la reload li, and then kounya la ou ta supposé garder dans console lan. OK. Oh, hang on. Let me Ah, click OK. that first. Hang on. And then Il I'll est Comment elle va être? Inspect. Yeah, open the Yeah. console. On ouvre console là, vous voyez. Dès qu'on même ajoute un breakpoint pour vérifier que tout va marcher. Developer. Inspect.
Ça, c'est pas Chrome? Yeah, bro. Okay. I'm going to change the camera. I mean, this one is giving me a headache. Yeah, you have a delay, yeah. Okay. No, don't you? Yeah. All right, so sorry, guys. My. Okay. Yeah, we're going to do that. Okay, good. Okay. Nous dans les bonnes yeah. Yep. Okay, bon bye. All right. So ça, okay, console non, oui, Alina sources, parti source. Et puis ah, okay, tu as supposé ouais, ou soit faire ou sur Windows, bah ouais. Est-ce Windows, Windows ou sur Mac? No, c'est Mac. Mac, okay. Fait command P. The same thing. Command P et puis rentrer dans taper index fichier, le index HTML, bah ouais. Form. Okay, form. Yeah, click on down. Okay, good. Click on down, et puis on ajoute un breakpoint dans la ligne après que tu as sélectionné JavaScript là. C'est-à-dire que tu peux vérifier que la marche, j'en ai que tu penses la marche. Yep, so line, yep. Line 50. Ajoutons dans line 52. Yeah, right there. There you go. So now try to submit the form and see what happened. And they say submit form, dans la voulue, ça passe. Okay, hang on one second. Marley, Tale, my face, I'm in PPT, so you can, there you go. Okay. All right. Okay. Cool, so if we submit that, okay, good. Let me, Alina, next time, completely. Oh, here you go. Yeah, there you go. Next, wait. Yeah, the first one. Okay, click it, play the first one. Yeah, this one. Quand il y a là et pas cliquer next non un link à Netflix mettez mouse dans sous variable FFFM non whatever that is okay so we getting nous joignez les mains mais il semble que nous joignez les mains forme non et puis on a oh yeah we know hein so il prend élément forme non il joigne élément forme non. Et puis, il y a tout input ça, là, ça veut dire qu'il y a un thème, qu'il y a un service, etc. But, right. Mais on comprend valeur. Oh! No, no, so, valeur, c'est right here. Yeah, valeur, c'est right here. Yeah. Right, okay, so... Ça veut dire, on t'apprend valeur, pour mettre dans l'autre côté. Right, pour mettre dans inner HTML pour... Email text. Okay, got it. Okay, I see. Yeah. So, if the elements... Et bien, ce qu'on va faire dans le cas, dans le code marqué fm.elements, ou quand. Hold on, je ne suis pas habitué à utiliser that element. Non, mais regardez-moi ça. That threw me off. Hein? Yeah. Et ce qu'on va faire qui est plus facile, ou capable simplement de sélectionner, ou quand on va sélectionner le valeur qu'on a besoin pour, par exemple, dans FM, non? Ou simplement de sélectionner ID hein, au lieu de sélectionner forme. Oh, I see. The element that you're typing in. So it's okay. Hang on one second. For example, sous point email, là, on tape simplement remplacer my form là, ensemble avec email. Et vous dites. Oh, I see. Oh, yeah. No. So the reason why, reason pour laquelle on fait comme ça, c'est que d'après le prend toute l'autre ratio. Okay. Et vous combinez-vous? Oui, mettez-vous sous exactement. Mettez-vous sous différent. So. So now I'll bring lot rest input yo. Okay. Et puis mettez on a pour afficher. Même de commencer avec email. Okay. So let me continue courir moi si le fait que nous retirer bouton dans forme là c'est la font différence quelconque. Sambe inner HTML element da inner HTML lan te suppose marcher m'ap gade lan kounya nan Mozilla. Yeah. All right, yeah, I think it worked. No, it did not work. Okay. Ba element le print element ba kouan ki son valid element li nan ba. All right, let's see. Sambe lan. Here. All right, so. Okay, so if you click it, so, okay. It seems yeah, that. Right here. Okay. Email.
So I think named item is probably c'est pour, non bon bon problème parce que it's right here. Okay, hold on. I think we might be able to do it. Okay, I'm waiting for Bala. Yes, name item not found here. I like this. Ou ka pa menm bezwen, ou pa bezwen element nan, non? Yeah, that's what I'm thinking. Bon mwen, see. All right. So right here. Oh. Yeah, ou pa bezwen element nan, va. Oh, okay, mwen. Men esko wè form nan, esko wè email la? Non, men element. I know you probably don't need it, but kijan pou aksede, check it, where you are, okay, mette en ba, mette en ba re chat lan, ou ka klike sou li. Ya, ou ba vreman, ou ba bezwen eleman direktman. So se... No, actually you did it, right? That's exactly what, exactement kon sa le dispose, oui. Mais le problème qui vient, et m'a pas quoi que gon élément marqué email, élément c'est input lié. Non, il est là, il c'est un paragraphe lié. Oh, element. Wait, so which one are you talking about? You talking about this? 45. Parce que non, name item, non, il y a some question élément qui se pose là. Yeah, line 45. Okay, so, bon mot, email là, il y a une forme, non, so, tu sais là, il y a many. It's right here, ID, email. Yeah, but element. Ça va pas de problème parce que tu es dans l'alerte là. Right, that's right. I did see it in there. Okay. So, same face. Well, okay, unfessy. C'est ça. Oops, sorry. Let's do this. Okay, let's see what happened. Yeah. Got disable breakpoints. Refresh. Right? Mm-hmm. Refresh. Yeah. Now you have to remove it. Okay. All right. Nou gen kat enjenye sou ba la. Okay. Oh no, nah, it's gone. I'm not seeing it. Oh, yeah, it's exactly on my form now. Okay. You're right. All right, so yeah, it is. So it's seeing it. Okay, so sin verifie que le marché, sin tourne back na code là. On garde moi ça qui marqué. Mais c'est problème là, c'était ça puis j'étais dit avant là que le bouton en under form là, il automatiquement refresh. Yeah. Oui, nous étions really, so le pas. Yeah. Donc ici le refresh qu'on a l'entrée email là c'est fait ce bouton quoi. Oh, okay. Yeah. Refresh par Jean. Okay. So on va pas save code là non va. Hein? On va pas save code là non. Oh, il va auto save? No, you have to save. Oh, yeah. It wasn't. Maybe that's what it was. No, I think maybe. Voilà, magie là. I don't know, man. Oh, there it is. There you go. C'est un live, travel chez les développeurs. Quatre ingénieurs en green ligne. A challenge là, on nous fait face avec chaque jour. Yeah, that's right. Sans leçon. Son leçon nous tout bas mounye parce que nous toujours parlé programming. Programming, nous avons pensé programming facile, mais nous avons bien simple. Et puis nous avons fait même 3 jours. 3 jours, 4 jours. Moi. Email. Yeah. Et yon bel aime de suivre dans le code là, c'est que moi et non avec l'âge, game IT. Ah. Oh, that's sans l'autre problème encore.
There you go, fixed. Happy and pace, man. Happy and pace. Let's see. Email, no, let's see. No, TXT, what was the other one? Large TXT. And then service. Service. Yeah, copy and paste again. It's like to you, by copy and paste by this problem to latte. Yeah. So let's see. No. All right. So now. That one is good. The next one is. On a besoin de mettre un petit espace juste pour beauté. Okay. Après et avant affichage, c'était collé à bouton la dernière fois. Okay, hang on one second. Email name, large. I think this one is service. So here we'll just put an empty break. All right, let's see what we got. Save. Refresh. Okay, refresh. Well, by Matila. All right, let's see what we got. There you go. Hey. Yeah. So, nous est by you live. Et là, yeah. Live, you va marcher tout le temps. Yeah. So, c'est beauté programmation. So, yeah. Ça m'a expliqué avant, c'est nous prenons données à, au lieu que nous voulons nous servir quelconque. Nous manœuvrer li nous juste afficher li mais si c'est ton bail plus compliqué n'ta faire nous devons prendre donner ça tout voir le baron back end. So peut-être dans l'autre épisode futur nous prendre apprendre donner à nouveau le baron on serverless service parce qu'on paquet d'ailleurs là et puis n'a font ba bien facile so nous pas besoin d'un setup server bagay lobek juste pour montrer qui j'ai mécanisme travail bon c'est ça c'est fin démonstration bien que nous t'ai pour petite difficulté tout petit mais pas tant nous avons 4-5 ingénieurs là qui pour t'aider nous et puis nous rivé qui bon côté n'a pas aller là. Yeah. So c'est ça qui fait important pour jouer, pour venir dans un TIC IT chat pour communiquer avec nous. Parce que, comme Dark Feather tout le monde dit, communauté, c'est le qui est important. Bon, c'est la fin. Je vais passer quoi by Randall pour continuer à fermer. Mary, c'est une belle expérience. Nous avons expérience en deux fonds en comble. Nous avons. You know, Jean Bayoye, et pas que programmation facile, il est difficile pour écrire logiciel, mais c'est une science appliquée. So, c'est pas juste théorie, ou essayer de pratiquer, ou essayer de corriger Bayo, et pendant que, you know, pendant qu'on finit que l'on a, ou bien dans la tête, ou finit qu'on bagaille, et puis, ou qu'on est supposé marcher, et puis, on tire et tout petit. Qu'on veut s'intriquer ou bien gagner son logique, gagner son syntaxe, you know, qui rend qui prend plus anti-temps pour jouer nos solutions. À part de ça, on va gagner l'autre dernier mot, on va quitter et puis Jimmy dit un dernier mot à Wesa Eli. Moi même ça que moi d'avoir ajouté avec chaque monde, mes amis, programmation pour bas qui pas facile, ok, mais soit fait et focus sur certains qui ont une passion pour lui.
parce que on va commencer je n'ai pas qu'être heureux mal commencer voilà qui qu'on a acheté mais il commence à rentrer JavaScript code et on va contre faire mais idée c'est parce que au café il y a plusieurs fois au café au café gardon là on s'en va dire ah mon cher ça tu me suis parlé là mon cher il va dans le domaine je sais qu'on ça courir me garde tout capable gain droit j'ai rentrer dans programmation. Mais si que vous fin garder la son carte mon cher de ouais monsieur d'avoir utilisé tel outil maman lycée même là que ou pas ici gens que nous même d'avoir ici là mais le fait qu'ou ici mon cher son gros pas on comprend son gros pas c'est comme ça que moi j'ai commencé tout changer que à l'époque les a parlé de HTML mais ça HTML mais oh les mon entre premier tag mon H1 moi texte sans pas être gros dans écran tu fout et bien c'est là mais c'est des là et même commencer genre songe l'aime commencer fait texte sans changer en couleur rouge faire juste couleur noire oh l'éternel bon bon non va pas rien c'est comme ça que au jeune c'est les coups challenge en tête tout et puis we see et puis jusqu'à ce qu'on jeune bah là même j'avais tiré ça me dégain là avec une artiste et puis pap les rentil yeah no wait en gros c'est ça So Eliori nou ale apre sa nou gen un seul question mwen nan live la et puis na poste apre sa. OK pour m dit c'est un moment ça qui bon expérience parce que par exemple songe on l'MT la font travail et puis tout qu'on a like conseil de bâtiment et puis tout ça me ta supposé ouais était pour un graphe ça me ta supposé ouais et chat là paraît par ça au moins pas paraît comme ça tout mon cœur passé yon nous deux jours là dans la deuxième fois moi son parenthèse m'a manqué donc en sens ça tout donc ça fait vraiment des passions pour intéresser la donne parce que ça ça ba en plus frustration en plus fois et dans comme ça tout là comme si ça tout comme si dans sens là comme si ou fait ou bagarre ça tout attendre que n'importe moment gagne doit faire erreur et laisse au privé actif ou comme si éveillé avec et plus bagarre erreur dans sens ça tout non définitivement parce que définit parler déjà bon faut me dire faut me relater avec ça dire parce que lundi là on est année a fin changer qu'on a la bon service que m'écrit pour KPI pour manager garder qui numéro you know de trois statistiques dans différents domaines qui dans travail là qu'on a une service que m'écrit et c'est pour KPI il ba un numéro mais son forecast pour toute année là et puis vous gabwe OK et nous gon forecast qui en baseline et puis chaque mois nous font notre forecast et puis après ça nous ajouter actual et numéro qui actual numéro a avec l'autre reforecast là nous et comme ça nous fait quand là on paraît sur service là boss m'a dit moi OK n'a juste prendre soit 6 janvier comme date là c'est lui pour la date de base et puis m'aller dans service on te gon configure on fichier de configuration m'aller dans fichier de configuration mettez 2021 0106 mettez 2020 0106 et puis mettez OK forecast il lancé 2021 tout bas en forme et puis me pas réaliser ça juste aller et puis l'homme démarrer KPI là pour collecter données et puis il tourner tout bas en blank chat là pas paraît vide net me dit OK ça passe là ça qu'on est obligé à dans code là me fait tout journée à chercher côté erreur et mettez breakpoint mais ceci mettez cela pas fouti journée erreur et puis c'est non soit 9h du soir on dit non pas qu'à quitter ça pour demain matin pour bosser on va là pour corriger parce que c'est supposé fixer you know on va supposé qu'il y a un problème et puis c'est après me venir garder moi mettez 2021 c'est 2020 mettez Wow. Janvier, et puis il va qu'à matcher deux données ensemble et puis il va qu'à jeune forecast là et puis tout d'une mobile j'ai pas dit qu'un bazar non
Quand il va prendre la gonne, même madame, même pas dire, ok, pourquoi ça m'a pas dîner? Pourquoi ça m'a dit? Oh, bah là, t'es domino, man. Yeah. Non, bah, on va dire, combien de fois me fixe ces problèmes dans la vie? Et puis, son configuration. M'oblige pas dire à quel moment il va. So, une dernière question de game. Avant de nous quitter, mon partenaire qui m'a dit, est-ce que, monsieur dit merci, you know, nous avons c'est ça. Est-ce que PHP est plus facile que JavaScript? Qui est-ce qui voulait prendre la question? Mon cher, ma première question, ça, moi-même, question de réponse, monsieur, c'est pour moi-même, selon moi-même, parce que PHP est plus difficile. Ils ont fait un petit PHP plus difficile là. Ou quoi, je vais donner non sens mixé avec JavaScript, avec HTML, là, dit, ou je vais taguer en façon même qui tête chargée, ça dit, il faut qu'on mette HTML dans PHP, et puis il faut qu'on côté que ou commencer pour ouvrir, et il faut qu'on côté pour finir. Elle dit simplement ça là, mais bah yo la font des gens compliqués sous chaque grain PHP code qu'on écrit, faut qu'on fait ça, faut qu'on suive pour ceci ça, et puis négocions on vient signe dollars bah yeah, et de l'autre part encore qui est des avec PHP, on a besoin paquet bah pour commencer, faut qu'on tague map. Soit on va une fois que tu as installé pour suivre certains cours de serveur. Mais JavaScript là, papa, pour commencer dans le browser, là où la guille, dans n'importe browser, là où vos console, là, papa, on petit console où on commence à déclarer variable, là où on commence à ceci, c'est là, papa, ton petit chéri. Au moment, il est bien appris. Et ça l'est, ça l'est. Nous avons l'opinion, nous avons l'opinion, on va le passer. Mais il y a trop d'expérience passée sur la PHP, même si j'ai une classe de mon côté. On te fait connexion avec une série de bases de données avec PHP. Et premièrement, dans le sens que puis j'ai parlé à gens comme si tu as presque avec HTML, ils ont dit une confusion. Mais deuxièmement, c'est que les gens programment plutôt chaque temps pour faire connexion à des databases. Il faut dans chaque page pour spécifier ça. Ça me dit, ça aussi, j'en ai un. Yeah. Very bad. Non, bon, moi, pour moi, des décennies de vie, je utiliser PHP. Yeah. I mean, so, ça qui passe avec un langage comme PHP, dans le temps parler, c'était la seule option que tu as. Yeah. Il y a un paquet, ça veut dire, garbage, baggage. Right. Dans le style, c'est dans. Bash scripting que sorti. Yeah. C'est ça que fait avec Perl. Yeah, exactly. Avec Perl, yeah, exactly. Mais n'entend pas PHP. PHP est le top mené avec il y a Cold Fusion. C'était PHP avec Cold Fusion qui était vraiment font paquet pour entrer dans programming back end. Mais nous, ça que fait. Ça qui fait PHP a continué à perdre pied avec l'autre langage, c'est parce que les gens paquet bah là donc bon pour moi ils ont été gentils. Yeah. Ouais. Well, so c'est ça qui fait moi c'est comme PHP mixé c'est tout. Sous gain le choix, sous capable d'a choisir JavaScript comme toujours dit JavaScript. Disponible dans toute plateforme yo, quel que soit côté là, si c'est front end dans browser ou bien si c'est back end comme node ou toujours gain JavaScript toujours là. So back way gain back gain avantage sous comme là tu as choisi PHP sauf si c'est un bail que travail mandé ou bien si ou juste son bail curiosité. Right. Mais c'est pas ça, c'est juste deux choix gagnés. On a juste choisi JavaScript comme pour commencer. Yeah. Non, tout à fait d'accord avec Vlad. Parce que une barre avec PHP, PHP tapé et c'est fixé un problème que nous avons.
et vous avez essayé de rendre le problème non plus facile pour résoudre. Et ça fait, et c'est ça qui fait philosophie puis étudier Jean Lia. Et Jean vous l'avez mentionné avant. Oui, non, d'habitude login forme non obligé cliquer sur forme non pour aller dans l'autre serveur. So PHP sorti dans même mentalité ça à côté tout code dans Wakel pour serveur et serveur qui générer et front end là et puis pour les upton front end là pour le remettre les data, you know, les te design pour ça même. So je dis définitivement préférer apprendre JavaScript si m'ta fait commencer parce que JavaScript là non seulement c'est browser programming as opposed to PHP and c'est server programming so et JavaScript là c'est dans client là même lié dans browser à même so programmer browser pour dire browser mais ça veut faire mais ça veut et use mais j'en veux interagir avec user pendant que ou quand même utiliser même JavaScript ça et puis ou, avec Node.js ou running dans server à tout dans back end là. But c'est même code JavaScript là, c'est pas un autre langage que vous besoin, c'est même langage que vous pouvez faire dans front end. Et Jean Blad dit JavaScript sur toute plateforme, que c'est télévision et téléphone et you know, en laptop, desktop, tout bagay. Tout bagay ça et comprendre, vous parlez JavaScript. So si vous avez commencé, je dis définitivement, et JavaScript là, vous avez fait. Au lieu de PHP. Yeah, so, j'ai l'impression, bah ouais, l'autre question, nous capables, nous capables quitter live là. La. Et puis l'autre samedi, nous avons un icon qui dans communauté et Haitian in Tech, Johnny Boussico, qui a venu parler nous de AWS Serverless semaine prochaine. So, et ça n'a pas sujet à partir d'un plus avancé. On sait la et la rabier semaine prochaine. Bah, on est everybody's okay. Ou saying bye until jusqu'à l'autre samedi. All right, passez bon week-end tout le monde.